Good morning, Aleiden, les tutres aujourd'hui, le Lunishmat, Tissim Ben Aouda, Sarah Batran Rachel, ainsi que le Fatar Yakeba Ben Shachar, Shlomo Ben Esther, Raphaël Zboulon Ben Chaim, Alea Batoch, Shah Rachel Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah Kotel 5 minutes éternelles, nous étudions la Sechet Avot, Perek Hei Mishnah Chafalef, Hu Haya Omer, Ben Chamesh Shanim la Mikra, Ben Eser la Mishnah, Ben Shlosh Esre la Mitzvot, Ben 15 la Talmud, Ben 18 la Chupa, Ben 20 l'Irdof, Ben 30 la Koach, Ben 40 la Bina, Ben 50 la Etza, Ben 60 la Zikna, Ben 70 la Seiva, Ben 80 la Gevura, Ben 90 la Shuach, Ben 100 kilo met ve'avar ubatel min haolam. À lire cette Mishnah, ça met un petit peu l'angoisse, ça passe tellement vite. Ouaya Omer, Yehuda ben Tema Omer avait l'habitude de nous dire, il va nous planifier toute notre vie, depuis notre plus jeune âge jusqu'à nos 100 ans, et même 120 ans, il va aller jusqu'à 100 ans, pour nous dire qu'est-ce qu'à chaque étape un homme il doit prévoir, faire. Et donc il commence tout d'abord, Ben Chamesh Shanim la Mikra. À l'âge de 5 ans, il faut commencer à enseigner à l'enfant le Mikra, le Chumash. C'est-à-dire, le bâton rapporte la source. On apprend tout ça à partir du qui Adam et Sassadé. Un homme, l'homme, il en compare à un arbre. Vous savez bien qu'un arbre, pendant 3 ans qu'on le plante, on n'a pas le droit du tout de tirer profit de ses fruits. C'est ce qu'on appelle la orla. La 4e année, les fruits qui poussent, on a le droit de les manger, mais ils sont kadosh, il faut les monter à Yerushalayim pour les manger. Et seulement à partir de la 5e année, on a le droit de les consommer de manière normale. Et de là, on apprend qu'il en va de même aussi pour un enfant. Pendant 3 ans, on le laisse en friche, on ne l'éduque pas, on ne commence pas à lui faire de la leçon de morale, il est encore petit. On peut corriger un petit peu de temps en temps, histoire de l'apprendre à discerner les choses à ne pas toucher, mais ce n'est pas encore le moment de lui faire l'éducation, de lui apprendre quoi que ce soit. Même si on lui apprend, bien sûr, comme le Rambam lui rapporte, dès qu'il commence à apprendre à parler, on lui dit un petit pasouk par-ci, un petit pasouk par-là. Mais ce n'est pas encore un apprentissage ordonné. Dès qu'il passe les 3 ans, donc il va entrer dans la 4e année maintenant, alors là, autant que la orla, maintenant les fruits deviennent kadosh, là aussi il faut maintenant commencer son apprentissage en lui apprenant le alephbet, le tirot alephbet, à reconnaître les lettres, à reconnaître le nikoud, les voyelles. Et une fois qu'il atteint, qu'il entre dans la 5e année, alors la Mishnah vient et nous dit ben maintenant, c'est le moment de commencer à lui apprendre le chumash. 5 livres, et on lui a laissé 5 ans. C'est pas 5 livres, un livre par an, c'est pas exact, on va expliquer après c'est quoi exactement. On va juste lire d'abord le prochain. Que Ben Chamesh Shanim, la Mikra, à partir de 5 ans, il va prendre le chumash. Jusqu'à que pendant 5 ans, il va finir d'apprendre, donc il va arriver à la fin du chumash de Varim. Et maintenant, il est arrivé Ben Eser, la Mishnah. Lorsqu'il entre dans la 10e année, à 10 ans, je ne sais plus si c'est précisé cette fois-ci, à 10 ans, je ne sais pas si ça implique, avec ou sans la 10e année. En tout cas, la Mishnah, pour lui apprendre maintenant, lui commencer à lui apprendre les Shisha Sidre Mishnah. On va lire encore 2 petites choses qui sont Ben Shalosh Esre la Mitzvot. À l'âge de 13 ans, il entre dans les Mitzvot, c'est la Bar Mitzvah. C'est là où il commence maintenant à devenir imposé d'accomplir les Mitzvot. Avec Ben Chamesh Esre la Talmud. Et à l'âge de 15 ans, il commence l'étude de la Gemara. Cette Mishnah-là, ça fonctionne comme ça. On apprend les données les plus générales, les généralités en réalité. On commence avec les psukim bien expliqués. C'est le Chumash, à partir de 5 ans, pendant 5 ans. Lorsqu'on entre dans la Mishnah, finalement, la Mishnah, c'est l'explication de la Torah. C'est la Torah chez Balpé qui se rapporte sur la Torah chez Birtav. C'est la Torah orale qui nous explique toutes les mitzvot, comment elles doivent être réalisées. La Torah m'a dit de mettre un tefillin dans une boîte noire. C'est quoi une boîte noire? On va se retrouver avec des Mishnahites qui vont m'expliquer c'est quoi une boîte noire. La Torah m'a dit de lire le schéma. On va commencer à nous lire à partir de quand tu lis, jusqu'à quelle heure tu lis, le soir, le matin et tout ça. Ça va devenir la Torah chez Balpé. Mais pour le moment, c'est l'étude de la Mishnah qui consiste en fait à donner des données claires pour le moment. Et ensuite, une fois qu'on a les données claires qui sont bien posées devant nous, alors on est capable maintenant de les poser en question une sur l'autre. Ici, tu m'as dit que je dois réagir comme ça. Là-bas, tu m'as dit que je dois réagir autrement. Ça se contredit. Cette forme d'étude, c'est ce qu'on appelle justement le Talmud. Toute la Gemara, elle est construite que sur ça. Essentiellement sur ça. Bien discerner ce qui a été écrit, poser des questions d'autres sources, trouver des distinguos, vérifier si ça se vérifie ailleurs ou pas. Donc c'est pour ça qu'il fallait donc 5 ans, 5 ans, 5 ans. L'histoire de 5 ans, 5 ans, 5 ans, pourquoi 5 ans? Le Barthénora rapporte, c'est déduit des Lévi'im. Il y a là-bas, il devait venir, une fois la Torah me dit que les Lévi'im travaillent de 30 ans jusqu'à 50 ans. Et une autre fois la Torah me dit
que les Lévim travaillent depuis 25 ans. Lorsqu'ils venaient travailler au Mishkan, ils avaient des travaux de porter tout le Mishkan, de même d'ouvrir et de fermer les portes, de chanter même. C'était la fonction des Lévim. Et la Torah me dit une fois de venir à 30 ans, une fois à 25 ans, une fois à 30 ans. Et Chachamim explique qu'en fait, il vient à 25 ans pour s'initier, apprendre le travail à produire pendant 5 ans. Et à partir de 5 ans maintenant, il est habilité pour faire le travail sur lequel il a été forgé. Donc on apprend de là que 5 ans, c'est un zman, c'est une période très importante dans l'apprentissage. Au point où Chachamim, on dit que si quelqu'un il a appris quelque chose pendant, il a essayé pendant 5 ans de se faire à l'étude, et qu'il n'a pas réussi, eh bien, il ne réussira jamais, apparemment, c'est qu'il est exclu, il n'est pas dans ce domaine-là. Alors c'est pour ça qu'à chaque fois, c'est 5 ans. 5 ans d'études de Chumash, ensuite 5 ans d'études de Mishnah, et une fois que tout est devenu bien, maintenant bien ordonné dans sa tête, alors ça y est, on fait entrer dans le Talmud, il est assez aiguisé pour le faire. Il y a vos milieux, bien sûr, les 13 ans, c'était pour la Bar Mitzvah, c'est déduit de Psukim. Ensuite, Ben Shmona Esrei la Chupa. À l'âge de 18 ans, c'est déduit de Psukim, il faut savoir, la Bar Mitzvah qu'on fait à 13 ans, hein, il y a des sources à partir de Psukim, mais c'est essentiellement une halakha de Moshe Messinaï. C'est une transmission qu'à partir de 13 ans, l'enfant devient un homme, concrètement, physiquement. C'est vrai qu'on remarque qu'il commence à avoir un cou, un corps qui se développe, mais qui a fixé l'âge de 13 ans et un jour, c'est une halakha de Moshe Messinaï. Bartanoa apporte quand même quelques sources, tant bien que mal. On remarque qu'il est appelé Ish. Il prouve que... D'accord. Ensuite, Ben Shmona Esrei la Chupa, à l'âge de 18 ans, c'est l'âge maintenant pour se marier. Le partenaire dit quelque chose un petit peu compliqué. Il rapporte que si on compte le nombre de fois où il y a écrit le mot Adam dans la création du monde, depuis Bereshit apparemment jusqu'à Shabbat, alors on verra qu'il y a 19 fois le mot Adam, une fois parce qu'il a fallu l'écrire, et ensuite 18 fois, c'est en gros pour t'apprendre 18 ans pour se marier. Comme ça, il rapporte le Bartanora. Tout ça, tu vas plutôt poser la question que si on compte, on n'en trouve que 16. Donc en fait, il faudra rajouter en fait les mots qui sont écrits ensuite. Zesefer Toldot à Adam, le deuxième Perek, ou là-bas, où justement, Hachem il va nous dire qu'il a voulu lui créer une femme. Ou la dame, le Matanizer Kenegdo, et là-bas, donc si vous comptez, on arrivera à 18. C'est le pasouk qui se rapporte justement sur le mariage, sur le fait qu'Hachem il a retiré la côte pour faire la femme à partir d'elle et lui apporter. Ben Esrim Lirdof. À l'âge de 20 ans, maintenant, ça fait déjà 2 ans qu'il est marié. Lirdof, littéralement, courir, poursuivre. Poursuivre qui? Courir où? Deux interprétations dans le Bar Tanoura. Lirdof, soit pour d'abord maintenant, ça y est, t'as fondé ton foyer, t'as ta maison, t'as probablement, Baruch Hashem, des enfants en route. À présent, il faut se soucier maintenant de s'investir dans la Parnassa, aller chercher le gain de pain. Ça, c'est Lirdof. Autre interprétation du Bar Tanoura maintenant, c'est-à-dire l'âge de 20 ans, il est mesugal, il est prévu pour. Ça y est, maintenant, entrer dans la vie active concrètement. On a fini l'apprentissage pendant 20 ans. Et ça, c'était le premier pirouge. Deuxième pirouge, je rappelle Notam, du Bar Tanoura, plus compliqué cette fois-ci, c'est qu'il nous apprend que du ciel, on commence à se faire punir. Lirdof, on se fait poursuivre. C'est pas qu'on poursuit quelqu'un d'autre, c'est que du ciel, on commence à se faire poursuivre, à vérifier qu'on est bien droit et juste. Ensuite, Ben Shloshim Lakoach. L'âge de 30 ans est le symbole de l'âge où on a toute la force, l'ampleur de la force dans tout son ampleur. Le Bar Tanoura rapporte de nouveau, c'est lié au Lévim qui venait à 30 ans pour travailler concrètement, parce que la Torah, elle estimait que c'était l'âge justement où ils avaient la force. Ben Arbaim, la Bina, à l'âge de 40 ans, c'est l'âge pour maintenant acquérir le discernement. Il a toute sa vie, il a appris, il a eu de l'expérience maintenant. Ouais, si vous faites attention, même il a eu presque 20 ans et 20 ans, quoi. Il a eu 20 ans d'expérience maintenant, avec 20 ans d'apprentissage dans ses premières années. Alors maintenant, il est capable de percevoir profondément, je ne sais pas, c'est déduit de Psukim de nouveau, c'est lié au fait que le Moshe Rabbeinu, il a dit au Bnei Israël seulement à la fin de la traversée du Midbar, il a dit ça, et maintenant, ça fait 40 ans que vous êtes là, alors vous êtes capable de comprendre maintenant le message profond, la réalité d'Hachem, votre devoir de suivre sa Torah. Ensuite, Ben Chamishim la Etza, à l'âge de 50 ans, c'est maintenant un bon âge pour conseiller les autres. Il a une force de discerner, de percevoir profondément les deux options et de discerner laquelle elle est plus avantageuse. Donc c'est l'âge où maintenant il est capable de donner des conseils. Ceci déduit des Lévim, à partir de 50 ans, il a arrêté de travailler, mais il est resté sur place pour conseiller les autres. Donc on remarque que 50 ans, c'est l'âge pour conseiller. Ben Shishim Lazikna. À l'âge de 60 ans,
c'est le début de la vieillesse, mais dans le sens zikna chacham, zekana chokhma. Dans le sens que maintenant, il est assez. Le Tosot Yom Tov, cette fois-ci, je suis le Tosot Yom Tov, parce que le Bartholomew va t'expliquer concrètement ce que ça implique. Il explique que Tosot Yom Tov, qu'à partir de 60 ans, c'est l'âge de la. Ah oui, c'est l'âge où il est capable de transmettre des idées parfois profondes, à bien les exposer, les présenter, et pour pouvoir aider les autres à les comprendre. Donc c'est l'âge où il est capable de transmettre la Torah, en fait. La Zikna, ou il est peut-être capable plus tôt, mais en tout cas, c'est l'âge maintenant, c'est là où il va avoir toute la réussite dans ça, parce qu'il a l'aptitude. Ben Shivrim, la Seiva. L'âge de 70 ans, c'est le début de la vieillesse, où maintenant on a le devoir, Mipenei Seiva Takum, devant la Seiva, devant un vieux, tu devras te lever pour l'honorer, tout ça. Ça commence à partir de 70 ans. Ben Shmonim, la Gevura. À l'âge de 80 ans maintenant, c'est l'âge où on a littéralement Gevura, la force. La force de quoi? Où on a de la force, on n'a plus de force, au contraire. Justement, le Tosot Yom Tov, cette fois-ci, c'est lié d'abord, le Bartenora, il rapporte, c'est lié au Pasuk Veme Gvurot Shmonim Shana. S'il a atteint l'âge des Gvurot, qui est le Shmonim Shana, qu'est-ce que ça implique? Le Tiferet Israël rapporte, Koufaïn, parce que à partir de cet âge-là, 80 ans, c'est l'âge où il n'y a plus le Yetzara qui tombe complètement, il le tente plus. Toute sa vie, il s'est travaillé à. Il s'est bien travaillé à s'investir dans la Torah, dans la Kdusha, et à prendre un petit peu du recul sur le monde. Eh bien, il faut savoir qu'à l'âge de 80 ans, il va complètement se déconnecter, ne plus avoir même d'attrait pour ça. Ensuite, Ben Tishim la Shuar, 90 ans, c'est l'âge où on commence à être complètement courbé. Qu'est-ce que ça implique? Je ne sais pas. Ce n'est pas précisé. Une petite seconde, Koufaïn Aleph ici, il ne précise rien non plus. En Kohorak Beshicha, ou Beshicha, les Daber Batora Bitfila. Ah, parce que lui, il égoresse le Tiferet Israël, au lieu de dire la chouach courbée, comme un peu Mishtachave, c'est un peu la même source, je pense, alors lui, il fait la souach. Il essaie de traquer la souach, c'est parler. Parler, sa force maintenant, à partir de 80 ans, c'est sa force de uniquement parler, c'est-à-dire parler à qui? Dans la Torah, et étudier la Torah, et prier entre lui, et ne plus tellement communiquer avec l'entourage. Et Ben Mea, alors là, lorsqu'il atteint les 100 ans, c'est comme s'il était déjà mort et il a quitté ce monde où il n'a plus du tout de rapport avec son entourage. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est une pleine de la sacra comme tout, c'est là.